was Dr. Royal Raymond Rife? And why are so many people still interested in the technology he spent many years of his life developing? In this documentary, you will learn about a brilliant and gifted man who developed the world's most powerful optical microscopes, which overcame the limitations of standard research microscopes, and who discovered a way to destroy deadly microorganisms using coordinative resonance. Though he died in 1971, interest in his discoveries did not. Royal Raymond Rife was a handsome and gifted young man. He had an inquisitive mind and explored many interests. He was born May 16, 1888, in the state of Nebraska to Royal Raymond Rife Sr. of Ohio and Ida Mae Cheney of Creston, Iowa. Dr. Rife was their second child, an older sibling having died in infancy. Ida Mae became ill and died 8 months after his birth in 1889. After her death, because Rife Sr. was working 14 to 16 hours a day as a mechanical engineer, he took his son to his sister, Nina Culver Rife Dryden. She said about this difficult situation, "I raised him and brought him up as though he was my..." Here's one who, when I hit 923 hertz, with what I call the normal geometry of the plasma bulb, he suddenly, dramatically exploded, unexplainably, while some of his friends are happy as little clams. He exploded. He stopped swimming, he suddenly turned into some dramatic different shape, and he exploded. Incredible. This is a very strong blepharisma who has survived on the slide when everybody else has died. There were maybe five or six of them on there. Some died dramatic explosive deaths. He was so tough he was pushing debris around on the slide. I've never seen that before. It's a really tough organism. The scale is correct. We have the 10x objective. He's sort of stuck now. I think he's trying to squeeze between the cover slip and a piece of debris. He's very stubborn. So he's just stuck. I think the plasma wave is going in. 926 hertz. He's gone through three programs that had effects on other organisms. Maybe we're seeing something in here. I don't know, he still has cilia action. He is tough. Tough, tough, tough little guy. Let's keep our eye on him just in case. That's an air bubble. He's hugging.
Oh, look what happened. Quite a bit of cilia stopped moving when he touched that air bubble. But he does still have directed motion. He's still going. Nope, he's still going. He cannot be stopped. He is tough. Watch him carefully now. Look what happened just now. He suddenly and dramatically disintegrated 926 hertz at the end of the third minute of 926 hertz. That was dramatic. He showed no sign of giving in. Now let's look very closely at the next objective. What happened to this guy? This is the 20X objective. And it looks something like the other guys we've seen on the slide, who just suddenly, almost inexplainably, blew up. Incredible. He suddenly turned into like four separate balls and exploded. Almost without warning. See that? His body's been like turned into four separate spheres. And here you can see the internal contents of the original organism leaking out. Look, it burst. It just burst open. The internal contents are leaking out through a cell wall. That was in the final seconds. And who's this coming into the picture? There's another guy coming by here. I don't know who that is or what he's doing. Let's get a little better look here. Let's go even closer. We're going to take a chance with the 40X objective and take a look at this destruction. Look at, you can see the contents emptying out here. He's just completely emptying out here through a hole in the cell wall. Bonjour à tous. Ben là, vous venez de voir deux petits extraits qui vous parlent de cet inventeur Royal Raymond Rife, hein, qui avait mis au point une machine qui guérissait le cancer et d'autres pathologies. Hein. Bien entendu, c'est en anglais. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris, mais bon, en écoutant ma vidéo, vous allez un peu comprendre ce qui est dit dans ces deux petits extraits. Hein. Ben comme je vous avais parlé de la machine d'Antoine Prioré dans une précédente vidéo, hein, cette machine qui guérissait le cancer et bien d'autres pathologies, hein, ben j'ai décidé de vous dire quelques mots concernant cette invention d'un autre appareillage qui est celui de Royal Raymond Rife, hein, qui avait mis au point son système au début du siècle, hein, en 1920. J'avais déjà fait une petite vidéo sur Royal Raymond Rife, mais bon, là, c'est une sorte de récapitulatif que je fais avec cette vidéo. Bien que les nouveaux venus sur ma chaîne vont découvrir une nouvelle vidéo, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas l'ancienne vidéo. Ben, Rife était né le 16 mai 1888 à Elkhorn, dans le Nebraska, et décédera à 83 ans le 5 août 1971 au Crossmond Hospital, probablement assassiné après avoir fui à Tijuana au Mexique. Hein. Bon, en 1920, Royal Rife Raymond sera l'un des premiers chercheurs à avoir identifié et photographié le virus de la tuberculose. Et à partir de 1920, tout va s'accélérer, hein, après de nombreuses inventions, principalement en optique, hein, puisqu'il travaillait sur des microscopes. Hein. Il inventera un nouveau type de microscope nommé le microscope universel,
qui lui permettra d'observer des bactéries et des virus vivants. C'est un microscope à fort grossissement. Pour l'époque, c'était une innovation incroyable. Et ça, c'est bien avant l'invention du microscope dit électronique, hein, à effet tunnel. Bien avant l'invention de son microscope révolutionnaire, pour l'époque, Royal Rife avait déjà découvert dès 1915 que les virus avaient une fréquence de réfraction à différents spectres lumineux. Chaque virus et bactérie posséderait en fait sa propre fréquence de résonance. Tous les virus et bactéries vibreraient sur des fréquences qui leur seraient propres. Et la résonance émise par la machine de Rife, hein, Royal Rife, avait cette caractéristique d'amplifier l'amplitude de ces vibrations jusqu'au point de rupture des bactéries. C'est un peu ce que vous avez vu dans la deuxième vidéo où la personne filme une sorte de cellule qui est attaquée, du moins bombardée avec la machine de Rife, et on voit la cellule se désagréger progressivement. Il suffit donc de régler les fréquences émises sur celles de Borélias pour les éradiquer. Bah, la machine de Rife a vu le jour dans les années 30. Hein. Il s'agissait en fait d'un générateur de fréquences variables qui émettait une résonance magnétique dans le corps. Les fréquences électromagnétiques étaient capables de tuer les germes pathogènes, hein, tels que les virus, les bactéries et autres parasites, hein, présents dans l'organisme. Et ça sans vraiment porter atteinte au tissu qui était sain. Hein. Bah, à l'origine, la machine de Royal Rife avait été conçue pour guérir de la tuberculose, hein, et du cancer. Hein. Bien des années plus tard, il avait été découvert que des dispositifs thérapeutiques, hein, fondés sur le même principe de fonctionnement et de préceptes, que la machine Rife était en mesure d'éliminer d'autres infections telles que la maladie de Lyme, LYME. Pour soigner la phase secondaire et aiguë de la maladie de Lyme, hein, la thérapie classique à base d'antibiotiques n'était pas assez efficace. Cette thérapie médicamenteuse pouvait engendrer des effets secondaires chez le patient, comme l'évolution de l'affection vers une forme beaucoup plus chronique. Hein. Ce n'était pas le cas avec les thérapies réalisées avec la machine de Rife, qui, elle, détruisait carrément la pathologie. Hein. La raison de cette réalité, du moins de ce phénomène, est simple. Hein. Cet appareil détruit, comme j'ai dit, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, hein, c'est la Borrelia burgdorferi. Oui, c'est des noms très compliqués, mais bon, je vous la cite quand même. Donc, comme je viens de le dire, hein, la raison est très simple, hein, c'est cet appareil, du moins la machine de Royal Rife, détruit cette bactérie, hein, la Borrelia burgdorferi, grâce à des vibrations électromagnétiques, hein, que cet agent pathogène ne peut pas supporter. Là, on parle bien de l'agent pathogène, on parle bien de la bactérie de Lyme, hein. Ben, le virus. En effet, il est à savoir que toutes les bactéries vibrent à une fréquence propre, hein. La résonance émise par la machine de Royal Rife amplifierait en fait l'amplitude de ces vibrations jusqu'au point de rupture des bactéries. Il suffit donc de régler les fréquences émises sur celles des Borrelias pour les éradiquer complètement. Ce qui est rassurant avec ce type de soins, c'est qu'il ne présente aucun danger pour l'organisme. Et d'après certaines observations, l'effet de cet équipement médical ne se limitait pas uniquement à détruire les germes. En effet, il stimulerait également le système immunitaire. Grâce à lui, le corps serait beaucoup plus résistant aux maladies, hein, et de plus, récupérerait beaucoup plus vite. Son utilisation peut être combinée avec d'autres traitements de soutien comme les herbes médicinales et l'adaptation de la nutrition, même les antibiotiques préconisés par la médecine classique. Bah, lors de ses études, Royal Raymond Rife avait découvert que toute maladie pouvait être éliminée avec des fréquences en fonction de sa signature électromagnétique individuelle. En effet, chaque agent pathogène disposerait d'une fréquence vibratoire qui lui serait propre. Bah, la modification de cette fréquence pourrait amener à le détruire. Hein. Pour y parvenir, Royal Rife avait créé des machines qui étaient capables de mesurer les fréquences oscillatoires des bactéries et de produire des vibrations qui leur étaient fatales. Hein. Bah, cela lui aurait permis de découvrir que le virus de la tuberculose pouvait être annihilé, hein, par une pulsation de 1500 Hz.
celle du tétanos 1200 Hz, et celle de l'hépatite 8000 Hz, et celle pour le poliovirus 7000 Hz. Et pour le mycobactérium tuberculosis, hein, eh ben c'était 10 000 Hz. D'ailleurs, Royal Rife et son associé James Barr auraient même établi un tableau répertoriant les fréquences de plus de 30 000 pathologies, hein, c'est-à-dire germes. Concernant la Borrelia burgdorferi, qui est la bactérie de la maladie de Lyme, hein, sa fréquence oscillatoire mortelle varierait sur des cycles qui vont de 484 Hz jusqu'à 610 Hz. Bah, l'action des fréquences est aussi valable sur les cellules du corps. Hein. Lorsqu'elles sont contaminées ou altérées par des bactéries ou des virus, bah, logiquement, leurs fréquences vont être modifiées. En utilisant une fréquence correcte, les vibrations de la machine de Royal Rife ciblent en fait les tissus ou les cellules malades et finissent par les détruire, en laissant intactes, bien entendu, les cellules saines. Et entre 1929 et 1943, pardon, Royal Rife, avec l'aide de Philip Hoyland, aurait réussi à fabriquer sa fameuse machine tueuse de cancer. Bon, en fait, cette machine, c'est un peu ce que vous voyez, hein. Elle se composait d'un tube à plasma à décharge à hélium, hein, utilisant des ondes radio en modulation de fréquence. C'est un peu ça le tube à plasma, et ça utilisait des ondes radio à modulation de fréquence. Ben, les différentes fréquences vibratoires cassaient les virus de la même manière qu'un verre peut être brisé par un accord en résonance, ou même un pont s'écroulant par la marche cadencée d'une troupe. C'est de la résonance. Ben, les ondes émises par ce type de tube à plasma ont la possibilité de détruire aussi d'autres pathologies comme les protozoas, hein, les streptocoques, les herpès, les carcinomas, les typhoïdes, hein, le tétanos, voire même le cancer de source BX et BY. De plus, l'appareil de Royal Rife Holland aurait réussi à casser des virus de maladies bien différentes, hein, et qui ne trouvaient pas de solution aujourd'hui. Hein. Ah, c'est ça qui est incroyable. Hein. Après avoir isolé les virus cancéreux BX par filtration dans un environnement de gaz rare, Royal Rife recréera le cancer chez des rats sains. Et cela sur un nombre suffisant de cas, en répétant 411 fois l'expérience, hein, ce qui démontrait bien l'hypothèse de causalité virale à la source du cancer. Donc là, bon, vous avez compris qu'on peut soigner tout en sachant qu'on peut aussi transmettre le cancer avec ce genre de machine. Parce que, comme on dit, dans ce cas, Royal Rife a recréé le cancer chez des rats sains. Ben, un film de 1934 existe et montre la destruction de virus par les ondes émises par le plasma de son appareil ainsi que des photos du tube original. Tout comme les autres chercheurs autodidactes, hein, Royal Raymond Rife sera lui aussi victime d'une véritable vendetta de la part du corps médical américain. Par exemple, à cette époque, le président de l'association médicale américaine, dit AMA, qui était Maurice Fishburne, essaiera de racheter à Royal Rife son invention, surtout les brevets. Mais Royal Rife refusa de vendre à Fishburne tous ses brevets car il voulait la commercialiser lui-même. Bah, le docteur Nemens, qui avait fait des copies de sauvegarde d'une partie des travaux de Royal Rife à quelques kilomètres de son laboratoire, sera lui tué chez lui dans un mystérieux incendie. Hein. Alors que les autres chercheurs amis pourtant de Rife, dont l'éminence grise qui était le docteur Kendall, bah, eux finiront par le renier complètement pour pas avoir de problème avec cette vendetta et cette mafia des laboratoires de l'industrie pharmaceutique américaine, puisque c'est bien les intérêts de l'industrie pharmaceutique américaine qui étaient ciblés par cet appareil de Royal Rife. Hein. Donc ces gens vont employer tous les moyens pour essayer de, comment dire, de menacer tous ceux qui auraient le malheur de travailler sur les machines de Royal Rife. Parce que, comme je l'ai dit souvent, c'est une concurrence envoyée à la médecine, tout cela. Hein, parce que si on commence à travailler sur des machines, le corps médical n'a plus raison d'être. Hein. Même le métier de médecin finira tôt ou tard par disparaître d'après ces gens. Hein.
Et c'est surtout cette mafia de l'industrie américaine, l'industrie pharmaceutique américaine, qui était un peu ciblée par ce genre d'appareillage. C'est pour cette même raison qu'on retrouvait certains docteurs morts mystérieusement dans leurs appartements ou quelquefois dans des incendies mystérieux. Ben, l'AMA, c'est-à-dire l'Association médicale américaine de ce fameux Maurice Fishbane, finira par saisir et détruira plusieurs machines construites par Hoyland pour Royal Rife, une machine qui est en circulation en possession du docteur Hammer. La machine du docteur Kush soignera deux des 16 patients en 1934. Quant au docteur Gruner, lui, il n'osera même plus utiliser sa machine au Canada de peur des représailles du milieu médical. Et elle se retrouvera chez un marchand d'électronique. La machine, quant à la machine du docteur Yale, elle reviendra carrément chez Royal Rife. Ben, il restait qu'un docteur qui continuera d'utiliser cette machine, hein, c'est celle du docteur Kush, hein, et lui, il a soigné avec succès de nombreux patients atteints de cancer pendant 22 ans. Ben là, comme vous voyez, le système de fonctionnement de la machine de Royal Rife est exactement le même que celui-là qu'avait développé Georges Lakowski, vous savez, avec son oscillateur multi-ondes. On est dans les mêmes, comment dire, le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire on détruit les bactéries ou les virus par des, comment dire, par des fréquences vibratoires. Hein. C'est, on cible carrément la virus qui, parce que Georges Lakowski lui dit, précisait que lorsqu'il y a une maladie, c'est qu'il y a une, comment dire, la fréquence de la cellule n'est plus en harmonie, donc elle est complètement déstabilisée. Et il faut la bombarder avec des fréquences pour revitaliser cette fréquence. Voire, si on amplifie les fréquences de ce virus, on le détruit carrément. La machine de Royal Rife et celle de l'oscillateur de multi-ondes de Georges Lakowski fonctionnent exactement de la même manière en réalité. Hein. C'est le même principe de fonctionnement. Et bon, à cette époque, parce que là nous étions dans les années 30, hein, dans les années 20 et les années 30, hein, l'électronique n'était qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, vous vous imaginez ces appareils avec la technologie électronique actuelle. C'est-à-dire, on pourrait miniaturiser ce genre d'appareil pour carrément soigner je ne sais pas combien de pathologies. En plus, c'est des appareils qui pourraient être transportables, c'est pour vous dire. Et si on aurait continué dans cette voie, je pense que même on aurait appris à accélérer la cicatrisation des blessures. Par exemple, les blessures de guerre, hein, parce que comme vous savez, les médecins enlèvent les balles et puis se mettent à recoudre avec des points de suture la peau. Alors que si on avait continué dans cet élan avec les machines de Georges Lakowski, Royal Rife, je pense que les cicatrisations se feraient aujourd'hui à base de faisceaux laser, hein, et de champs magnétiques. La peau se ressoudrait à une vitesse accélérée. C'est pareil pour les grands brûlés, hein. Aujourd'hui, pour les grands brûlés, vous savez que dans les hôpitaux, on fait des greffes de peau, hein. Ça coûte très cher et ça dure très très longtemps. Et surtout que, il faut attendre que la peau, la greffe prenne sur le corps. Alors qu'en réalité, avec ce principe de fonctionnement des machines de Georges Lakowski, de Royal Raymond Rife, de Albert Abrams, on aurait pu orienter la thérapie vers une autre technologie qui se serait faite à partir des faisceaux lumineux, c'est-à-dire de la luminothérapie et de l'emploi des champs magnétiques. Lorsque vous combinez les deux, vous pouvez régénérer la peau humaine. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire plus besoin. Vous n'avez pas besoin de greffer une peau, c'est-à-dire vous pouvez juste avec comment dire, des séances quotidiennes de plusieurs minutes, du moins je ne sais pas de combien de minutes, en bombardant le corps du grand brûlé par des faisceaux lumineux combinés à un champ magnétique, vous pouvez régénérer la peau de cette personne. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Quant aux greffes de peau, comme vous le savez, maintenant, grâce aux imprimantes 3D, on peut carrément les fabriquer à vitesse accélérée. Hein, parce que les greffes de peau, quelquefois, on fait ça dans des sortes de cultures, hein, qui peuvent durer très très longtemps. Hein.
Et bon, par exemple, pour les grands brûlés, ceux qui ont le visage brûlé, on essaie de retirer des morceaux de peau sur d'autres endroits du corps qu'on leur greffe sur le visage. Donc, en réalité, on devrait plus utiliser ce que je viens de dire, hein, les faisceaux lumineux combinés au champ magnétique, hein, pour régénérer la peau. Mais ça va se faire progressivement, puisque vous savez qu'il y a une thérapie, une médecine parallèle qu'on appelle la luminothérapie, hein, qui permet de soigner à partir de certaines couleurs de la lumière. D'ailleurs, quand vous prenez les cabines de bronzage, on place des gens à l'intérieur et vous avez les UV qui bombardent le corps. Alors vous imaginez ce genre de cabine de bronzage, mais sans les UV, avec d'autres sources lumineuses et combiné à un champ magnétique pulsé, hein. Vous mettez un grand brûlé dans ce genre de caisson, et ben, au bout de quelques jours, vous verrez que vous avez des morceaux de peau qui vont se régénérer tout doucement. Et au bout de plusieurs semaines, je pense que la peau sera régénérée, la peau de la personne. Sinon, pour les grands brûlés, vous avez aussi l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakowski. Parce que vous avez des photos sur Internet qui circulent, on voit des gens qui sont atteints de psoriasis ou d'autres champignons au visage, hein. Et ces gens ont été, comment dire, ont fait des séances d'oscillation avec l'appareil de Georges Lakowski. Et étrangement, au bout de quelques semaines, la tumeur au visage avait disparu et le visage était carrément rajeuni. C'est-à-dire, l'appareil de Georges Lakowski avait régénéré les cellules de la peau jusqu'à les rajeunir, carrément. Donc, comme je dis que la machine de Royal Rife et Georges Lakowski fonctionne sur le même principe, ça pourrait donner des idées pour les médecins dans le futur, hein, surtout pour soigner les grands brûlés. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.